Petit loup, bienvenue sur ma chaîne les petits anges éclairs. Je suis ravie de vous retrouver pour voir les énergies du week-end. Nous serons le 8 et le 9 mai 2021. On va aller voir quel est le petit ange qui nous... Oh, l'ange de la foi. Donc on vous dit de garder la foi. Dans toutes circonstances, gardez la foi les amis. D'accord? On a l'ange de la foi qui est avec nous. Foi sur un projet professionnel, sur un projet personnel. En tout cas, vous êtes guidé par la source pour aller vers la tranquillité. Fantastique. Génial. Ok. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ça peut nous parler de lien d'âme aussi. Hein. Garder la foi dans un lien d'âme. Alors, on va aller voir le petit message de Gaïa pour ce week-end. Qu'est-ce que Gaïa a à nous dire? Hop. Tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides, mes vers multivers à la source, j'aimerais des messages, wow, pour le week-end du 8 et du 9. Donc je vais prendre la première qui est sortie, parce qu'elle est sortie à l'endroit. Le jardin zen, ça nous parle de retrouver une tranquillité, de retrouver notre intérieur. Ça nous parle aussi de nous élever au niveau du chakra gorge, d'être en plénitude, d'un alignement des chakras, une tranquillité, un apaisement au niveau de nos énergies à l'intérieur de nous. Voilà ce que nous amène Gaïa, nous retrouver à l'intérieur de nous, nous équilibrer vers la tranquillité. D'accord ? C'est quoi l'autre qui voulait sortir? Le voyage sacré, cycle de vie, famille, transformation. Bon, elle n'est pas sortie, enfin elle est sortie par tournée. Et on a le 9 de cœur, épanouissement, harmonie et protection en d'autres decks. Ça nous parle aussi de cœur, d'amour, d'être protégé, d'être en harmonie, de retrouver une paix intérieure et une harmonie. Donc c'est plutôt pas mal, on va aller voir quel est le... Non. On va prendre les petites sirènes, tiens. Ça fait longtemps qu'on n'a pas pris nos petites sirènes pour les énergies de ce week-end. Qu'est-ce que nos petites sirènes ont à nous dire pour ce week-end du 8 et du 9? Alors, excusez-moi pour le bruit, j'ai du monde à la maison, donc vous allez peut-être entendre un petit peu de bruit derrière. C'est pas grave. Qu'est-ce que les sirènes ont à nous dire pour ce week-end? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, mes guides et l'univers multivers à la source. Enfin, les guides, en fait, hein. Avec l'oracle des sirènes qui se casse la gueule. Ah bah tiens, je dis les guides et c'est la carte des guides. Eh oui, guide, mentor, allié, digne de confiance. Ça nous parle de relations de flammes jumelles aussi. Ça nous parle de miroir. Ça nous parle d'être un ami pour nous-mêmes. Ça nous parle de lien d'âme. Ça nous parle d'être guidé, qu'on nous susurre à l'oreille les bonnes décisions à prendre pour nous-mêmes, le bon chemin à suivre, pour être en équilibre avec nous-mêmes, à l'intérieur de nous, dans une mission d'âme, dans une mission de vie. L'expérience. Ne pas retomber dans ces anciens travers. Garder la lumière plus que l'ombre. Appréhender ses parts d'ombre pour aller vers notre lumière. Voilà tout ce qu'on nous dit. On va aller prendre le tarot, le vice-versa tarot. Hop. Et on va aller voir ce qu'il a à nous dire pour ce week-end. À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges. Ah, l'indifférence. L'indifférence qui tombe à l'endroit, pour le coup, parce qu'il y a un envers et un endroit sur ce tarot. Donc l'indifférence qui tombe à l'endroit. Alors l'indifférence au niveau émotionnel, au niveau du cœur, au niveau des émotions, elle nous dit clairement en fait qu'on est indifférent à toutes les coupes qu'on nous tend parce qu'on est équilibré. C'est-à-dire qu'au niveau émotionnel, on est équilibré, mais on n'est pas allé chercher notre bonheur au niveau du cœur ailleurs. On est stable en fait, voilà, juste stable, mais pas dans le partage non plus, quoi. Voilà ce qu'on nous dit. On nous parle de l'ermite. L'ermite qui tombe à l'envers. Donc peut-être qu'on va sortir de ces énergies. Après une période d'introspection, on a suivi cette lumière. On a fait un retour justement à l'intérieur de nous-mêmes, peut-être dans nos parts d'ombre. On sort de ça parce qu'elle tombe à l'envers. Donc on sort de ça, on avance vers la lumière. On a un ami pour nous-mêmes, on est guidé. On a le serpent qui nous transforme. On a la lune avec le troisième œil qui nous parle de nos intuitions. On a l'oiseau qui nous élève en hauteur pour nous donner la bonne marche à suivre, pour prendre de la hauteur, pour s'élever, pour avoir une vision, un angle de vue différent. On a les chiens qui sont un ami, on a l'œuf de la renaissance aussi. Ouais, Il y a pas mal de choses dans cette carte à l'envers. Et ces montagnes au loin, comme si on regardait les épreuves qu'on avait traversées. Donc on a le 8 de denier, la productivité, être productif dans ce qu'on fait mais qui tombe à l'envers et à l'envers de l'envers. Vous voyez ce que je veux dire? On ne peut pas faire plus à l'envers. Donc peut-être qu'on n'est pas encore productif au niveau de la matérialité dans nos projets, c'est-à-dire que on sait où on veut aller, on est stable au niveau émotionnel, on a traversé des épreuves, on est guidé, on prend de la hauteur, on suit nos intuitions, on sort tout juste de ce cycle, on se retrouve à l'intérieur de nous, on vient de retrouver un équilibre, mais on n'est pas encore à acter des changements dans la matière pour ce week-end, vous voyez? Waouh, magnifique! La carte... si je ne m'abuse, du soleil. Ouais. La carte du soleil à l'endroit, magnifique. Donc on va quand même vers un grand soleil, on va vers beaucoup de lumière, vers une sérénité. Vous voyez, non seulement beaucoup de lumière, mais bon, la carte du soleil, c'est une très belle carte du tarot. Ça nous annonce peut-être faire la lumière dans une situation où on n'était pas productif, qui n'était pas productif pour nous. Vous voyez ce que je veux dire? On a eu besoin d'un temps d'introspection. On fait la lumière là-dessus. Et du coup, on va vers un chemin d'âme. On va vers beaucoup de lumière à l'intérieur de nos vies, à l'intérieur de nos projets. D'accord ? On nous parle du 7 de bâton. Le 7 de bâton, c'est le 7 de bâton, c'est la rapidité. Alors, et là, elle tombe à l'endroit. Vous voyez? Non. Le 7 de bâton, c'est travailler dur. Le 8 de bâton, c'est la rapidité. Le 7 de bâton, c'est travailler dur. Donc, oui, forcément, c'est logique. C'est complètement logique, en fait, ce tirage. Là, on vous dit... que vous êtes replié à l'intérieur de vous-même, en fait, avec pas replié, mais vous êtes stable au niveau émotionnel, mais vous gardez les choses pour vous. Vous n'allez pas vous ouvrir au monde non plus, au niveau émotionnel, au niveau des projets de cœur, au niveau d'un lien, au niveau de peu importe, vous voyez ce qui vibre en vous. Vous avez eu besoin d'un temps d'introspection, mais vous avez trouvé vos intuitions, savoir où vous allez, vous vous rééquilibrez vers quelque chose de nouveau. Vous avez besoin de faire la lumière sur quelque chose qui n'était pas productif pour vous, quelque chose qui ne vous apportait pas rien au niveau matériel, qui vibrait pas non plus au niveau de votre âme, il y a un projet, une relation, quelque chose qui ne vibrait pas en vous. Vous avez eu besoin de faire le point intérieurement. Vous allez retrouver la lumière et vous avez besoin de travailler en ce sens. On a besoin de travailler peut-être encore ce week-end pour s'équilibrer intérieurement, pour garder la foi. On vous dit que vous êtes guidé, d'accord? Vous avez peut-être besoin de travailler sur un nouveau projet, quelque chose d'autre. On a un as d'épée. La raison, le bon raisonnement. On brandit cette épée vers le bon raisonnement. D'ailleurs, on la brandit vers une couronne pour se couronner, en fait, au niveau des idées. C'est-à-dire que on a l'idée ce week-end voilà, qu'est-ce qui nous ferait vibrer, ce sur quoi on devrait travailler et ce sur quoi on devrait arrêter de bosser dessus, en fait. Vous voyez, par exemple, une relation amoureuse qui n'est plus productive. Bon, bah, à un moment, on lâche l'affaire, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? On va se concentrer sur autre chose qui vibre plus pour nous. Un travail qui n'est pas productif pour nous, qui ne nous apporte rien, qui ne fait pas vibrer notre âme, bon bah à un moment on va aller voir ailleurs, changer et voir pour changer d'emploi, vous comprenez? Donc on sort de notre zone de confort un peu, voyez. On vous dit encore une fois que vous êtes équilibré. On a la rapidité qui est jusque là, peut-être un peu de regret au niveau émotionnel, peut-être qu'il y a des situations qui ont été pauvres, qui ne vous ont pas fait vibrer non plus au niveau émotionnel, au niveau matériel, qui ne vous ont pas voilà, qui ne vous ont pas donné d'élan, hein. D'accord. Par contre vous trouvez ce qui va vous amener le monde à vos pieds, vraiment. C'est plutôt pas mal pour ce week-end. Ok. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit pour ce week-end du 8 et du 9. On est parti. J'espère que tout le monde va bien, que vous avez passé une bonne semaine, que vous êtes dans de belles énergies. Moi, ça a plutôt pas trop mal, c'est-à-dire plutôt super bien même. Pas trop mal, c'est plutôt bien. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce 4 de coupe, sur l'indifférence et la stabilité, en fait, hein. Parce qu'il est indifférent au niveau émotionnel à toutes les coupes qu'on lui offre, parce qu'il est dans sa complétude et il se suffit à lui-même. On parle d'une victoire sur un homme, peut-être. Peut-être que vous êtes un homme et que le fait d'être indifférent à tout le monde, à toutes ces femmes qui vous tournent autour, ou, ou à être stable au niveau émotionnel, vous déjà par rapport à vous-même, et pas forcément prendre en considération tout ce qui est autour de vous, ça vous amène une grande victoire sur vous-même. Si vous êtes une femme, on vous dit que ça va vous amener une victoire avec un homme. Le fait déjà d'être stable, vous, au niveau émotionnel, dans vos énergies, et peut-être d'être indifférent à d'autres personnes. Il y a peut-être un homme qui va être victorieux, qui va vous amener cette coupe, et pour qui vous ne serez plus indifférent, justement. Sur l'ermite, on nous parle de contrat. On nous parle de contrats, de collaborations qui sont signés, d'engagement, de sceller un pacte, peut-être. Sceller un pacte à l'intérieur de vous. Vous êtes en accord avec vous-même, en fait. Vous êtes en accord avec vous-même avec une période d'introspection, en fait. Sur la productivité à l'envers, alors moi j'aimerais des précisions, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on peut nous dire avec l'oracle des miroirs? À tous mes êtres de lumière, mes anges, mes archanges, on nous parle de quoi? On nous parle de la famille. Peut-être une situation familiale qui n'était pas productive, qui était instable, qui déstabilisait votre famille. Peut-être un manque d'argent au niveau de la famille aussi, des pertes financières. Peut-être tout simplement le fait de pas réussir à trouver son équilibre, à trouver sa place dans une famille, vous voyez ? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le soleil? Le soleil dans quel domaine? Le soleil par rapport à quoi? Ah, le soleil par rapport au voyage. Donc peut-être que vous retrouvez la lumière lors d'un voyage, quand vous allez bouger, ou tout simplement écoutez vos intuitions et changer d'angle, changer d'œil, de façon de voir les choses, de façon de percevoir un problème, de façon de percevoir un travail, une relation, un nouveau chemin s'ouvre à vous. Vous ne perdez pas le nord en fait, au contraire vous retrouvez le nord en fait. C'est très bien, c'est très bien, c'est très positif tout ça. Donc qu'est-ce qu'on peut nous dire du coup sur le fait de travailler, d'être productif, de voir, voilà, travailler, bon. On a les jalousies qui tombent à l'envers, d'accord? Donc peut-être par rapport à une triangulaire, vous avez besoin de travailler sur une triangulaire, un triangle amoureux, clairement, sur des énergies tierces qui ne vous correspondaient pas, sur des personnes qui parlent, des cancans, des commérages, des bavardages, vous avez besoin de travailler là-dessus, peut-être de faire la lumière aussi là-dessus, hein, clairement. Hein. Et on vous parle de sexualité en d'autres decks, donc vous trouvez le bon raisonnement peut-être pour tout simplement une nouvelle relation sentimentale ou alors dans une relation sentimentale. On nous parle de communication avec cette carte, on nous parle de lien, de regard, de cœur, d'amour, d'échange corporel, ça nous parle de chakra racine aussi. D'accord, vous avez peut-être besoin de bouger, ce sera peut-être une autre personne que celle que vous pensez, une personne qui vous amènera le monde. Pour l'instant, vous vous protégez, c'est peut-être pour ça que vous êtes dans ce cadre de couple, que vous êtes dans l'indifférence, vous êtes stable, mais vous vous protégez. On vous dit que vous allez vers un beau projet, un très beau projet, pour être équilibré au niveau de la maison. Mais vous avez eu besoin de prendre de la distance, vous avez eu besoin de vous replier un petit peu sur vous-même, peut-être de vous retrouver avec des amis, vous voyez, ou d'être d'abord un ami pour vous-même, avant d'acter des changements. En tout cas, de voir ces changements se matérialiser, donc c'est plutôt pas mal. Ah, on va aller voir avec quoi? On va changer un peu d'oracle parce qu'on prend tout le temps les mêmes. Donc on va aller voir ce que nous disent nos petites fées. Et oui, aujourd'hui j'ai envie de prendre les petites fées. Ok. Que j'ai traduit. Hein. Moi je fais des traductions en français parce que je ne connais pas tout l'anglais. Donc j'ai fait des traductions en français. Et ça me va bien. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la victoire avec un homme? L'indifférence et la victoire. Peut-être l'indifférence par rapport à un homme. Hein. Ah, on nous parle d'observer les étoiles. On nous parle d'écouter nos intuitions dans une relation amoureuse. On nous parle d'écouter nos intuitions par rapport à nos polarités masculines, d'équilibrer nos polarités masculines et féminines. On nous parle d'intuition par rapport à notre émotionnel, par rapport à notre cœur, par rapport à un choix d'âme, par rapport à une décision, par rapport à un autre... On est guidé dans cette situation. Sur l'ermite et le contrat, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On vous demande de briller de l'intérieur, de vous reconnecter à votre enfant intérieur, de briller de l'intérieur, de faire irradier cette lumière qui est à l'intérieur de vous. Ça nous parle encore une fois de votre intérieur, se replonger dans son intérieur, s'équilibrer dans son intérieur. C'est pour ça que vous faites des contrats et que vous actez des contrats avec vous-même, que vous allez être en accord avec vous-même, parce que vous avez eu besoin d'une période d'introspection. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur la productivité à l'envers, là, le 8 de denier? J'ai encore pris mon oracle à l'envers, c'est pour ça que je l'ai pris à l'endroit. On nous parle de motivation. Vous allez être motivé à remettre de l'équilibre au sein de votre foyer. Vous allez être motivé à être beaucoup plus productif dans une vie familiale, dans un cercle familial, dans un... peut-être tout simplement avec vos enfants, avec votre maison, vous voyez ce que je veux dire, avec vos animaux de compagnie, peu importe, vous allez avoir besoin d'équilibrer tout ça, mais dans la joie, dans la bonne humeur, dans des belles énergies. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur le soleil et le voyage? J'aimerais des messages, s'il vous plaît, mes guides. Vous pouvez me faire sauter une carte. Hop, on va se la refaire. On nous parle de sagesse, bien sûr. Vous bougez de certaines énergies qui vous correspondent plus. Vous mettez en lumière des situations qui étaient plus productives pour vous, qui vibraient plus, qui ne fonctionnaient plus. Vous retrouvez un équilibre familial et vous le faites avec beaucoup de sagesse, avec beaucoup de clarté, parce que vous êtes guidé en fait, parce que vous avez fait une introspection à l'intérieur de vous, d'accord? Et vous avez mis en lumière ce que vous avez déjà vous besoin de travailler. Peut-être qu'il y a certaines choses qui étaient gelées, glacées aussi, et puis que vous remettez de la lumière sur ces choses. On vous demande de croire en la magie, d'accord? Dans une triangulaire, on vous demande de croire à la magie. Moi, c'est ce que je ressens, je vous le dis. Par rapport à des énergies tierces, drogue, alcool, sport, peu importe, vous voyez, vous remettez en fonction de votre contexte, on vous demande de croire en la magie de la vie, que votre travail va porter ses fruits, en fait, voilà. Perdu et trouvé. Donc ça peut être le retour d'une personne, ça peut être le retour de votre enfant intérieur. Vous avez perdu, retrouvé votre enfant intérieur. Vous avez peut-être retrouvé un objet aussi qui va vous faire penser à quelque chose du passé, à certaines situations, vous permettre de mettre en lumière certaines blessures, certaines trahisons, certains moments de votre vie qui vont vous aider à faire un petit retour en arrière pour voir là où vous en êtes, évoluer et peut-être aller vers quelque chose qui vous corresponde plus. Laissez une coupe d'amour, laissez une coupe au niveau émotionnel pour aller vers une autre. Bon, on vous parle encore d'énergie de la lune, hein, donc on vous parle encore de la lune, des intuitions, on vous parle de trouver un équilibre à l'intérieur de vous, c'est ce que vous allez faire. Venir ensemble, bah, peut-être qu'il y a une personne qui va revenir vers vous, peut-être que ça va être vous rallier à certaines amitiés, des amis du passé que vous aviez oubliés. Vous allez célébrer des belles choses, voilà. Et on vous dit d'attendre l'hiver, donc peut-être que ça va mettre du temps, ou peut-être que c'est une situation qui est gelée depuis cet hiver. Bien, très très bien mes amis, on va quand même aller faire un petit tour avec la triade, parce que la triade m'appelle. Alors, fort de messages pour ce week-end. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on nous dit sur la victoire et le fait d'observer ses étoiles, d'être intuitif, reprendre sa place? Reprendre l'alpha, la place, le numéro 1. Vous reprenez votre place au niveau de votre cœur, dans votre cœur. Ou bien une personne, un homme qui reprend sa place dans votre cœur. On vous parle d'élévation. Bien sûr, c'est une élévation. Vous vous reconnectez à votre enfant intérieur, vous brillez de l'intérieur, vous êtes en accord avec vous-même. Vous avez eu besoin d'une période d'introspection pour vous élever. C'est pas pour quelque chose de pourri en général. Quelque chose qui était plus productif au niveau de la famille. D'accord. Donc, on nous parle d'un homme. On nous parle de l'homme. On a la carte de l'homme qui tombe, ok? La carte de l'homme qui tombe à l'envers. Donc peut-être que... Là, j'ai un homme qui tombe à l'envers. Ça me parle aussi d'équilibrer ses polarités féminines et masculines. Ça me parle d'être équilibré au niveau de votre famille. Peut-être que vous mettez de côté un homme. Ou peut-être que vous mettez de côté le côté masculin, fort, vous voyez, un peu... pour aller plus vers votre enfant intérieur. Voilà ce qu'on nous dit. Excusez-moi 2 secondes.